Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un haulier style. Oui, encore une fois. Du coup, je crois que c'est mon troisième, quatrième, je ne sais pas du tout. Oupsi. C'est une vidéo en partenariat encore une fois avec la marque Estyle, qui est une marque coréenne. Sur leur site, il y a vraiment tous les prix, il y a du plus cher, du pas cher, bah tous les prix quoi. Vous mettez les petits SCH et tout. Et voilà, c'est parti. J'ai pris accessoires, bijoux, maquillage, enfin accessoires de maquillage plutôt. Il y a 4 bracelets en or, une petite chaîne, une plus épaisse, un truc comme ça là, et un bracelet qui s'enlève, vous savez, comme ça là. J'aime pas trop ça parce que je les perds souvent. Je vous mettrai des plans de plus proche, hein, voilà, pour que vous voyez mieux. Faut que j'arrête de regarder le retour caméra. En deuxième accessoire, j'ai pris un recourbe-cils parce que j'ai cassé le mien. Non, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai cassé. Il y a vraiment plein de sortes de recourbe-cils sur leur site. Il y en a des chers, des pas chers et tout. J'ai pris le moins cher, je crois. Et genre, je me suis dit, ouais, mais pourquoi il y en a des plus chers et moins chers? Enfin, ça doit être la même performance, c'est normalement. J'ai pris le moins cher et je suis archi pas déçue. Genre, il est vraiment trop bien. Franchement, ça sert à rien de prendre un truc super cher qui, au final, sera la même chose. Je suis vraiment contente, je vous mettrai combien recouvre les cils. Voilà. Et c'est une part. Troisième accessoire, j'ai pris une coque pour iPhone. Ouais, enfin, ça fait XR pour combien? XR, bref, sur les steaks, avec écrit Nice Day, bref, voilà, je suis pas trop anglophone, et donc elle est pliable. Le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que genre, quand je la mets sur mon téléphone, je galère à mettre le chargeur, c'est juste ça, mais sinon, franchement, j'adore, elle est trop belle, elle est trop fraîche, et elle est cute. En troisième, quatrième, j'en sais rien, j'ai pris des bagues, parce que j'aime bien. Tout simplement. PTDR Teki. Pour commencer, il y a celle-ci qui est genre vraiment toute simple. Celle-ci, elle est vraiment trop fraîche. C'est ma préférée, celle-ci là. Au pire, je vous mettrai les essayages, enfin, genre de plus près. En avant-dernier accessoire, j'ai pris. Je les ai même pas ouvert. Boucles d'oreilles parce que genre, vraiment j'en voulais. Mais en fait, je sais pas si c'est normal, mais en fait elles sont toutes petites. T'as 3 tailles différentes. Mais il y en a vraiment, elles sont toutes minuscules. Du coup, je pense que c'est plutôt pour le haut de l'oreille. Je me suis pris des pinceaux. Genre, en plus, ils sont trop frais, je trouve. Enfin, un peu pétasse, mais j'aime bien. Comme les litchis beauté, ça me fume. Voilà. Des pinceaux. Tu sais les utiliser? Non? Je sais pas. Je les ai utilisés et franchement, BG, hein. Maintenant, pour de vrai, on va passer aux vêtements. Il y en a quand même pas mal, je pense. Les boucles d'oreilles, on dirait des perchoirs à oiseaux. Bref, du coup, oh, j'ai un snap. Pour commencer, j'ai pris un truc noir comme ça. Ouais, en gros, il est grave frais. En plus, il est grave élastique, donc je pense que ça peut aller à tout le monde. Par contre, je me souviens même plus des tailles, donc je suis désolée. Mais la plupart du temps, je prends du M. J'ai pris un petit chemisier rose comme ça, mais là il ressort, je sais pas, il ressort blanc chelou là. Bref, en gros il s'attache devant et il est trop mignon vraiment. Du coup, je vous mettrai un petit essayage pour vous montrer comment il est trop frais. Après, j'ai voulu tester une jupe. Moi qui ne mets clairement jamais de jupe de ma vie. Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas si ça me va, si ça me va pas. Elle est bleue comme ça à carreaux. J'aime trop le motif par contre. Du coup, je vous mettrai l'essayage et vous me direz. La matière, elle est genre un peu coton. Ça, mon dieu, j'adore, mon coup de cœur, j'adore, my goodness. C'est un petit débardeur, je pense que c'est plutôt pyjama, mais genre j'aime trop. Ouais, des feuilles bizarres. Ouais, mais du coup, j'adore, je valide. Donc ensuite, ça, je l'ai déjà mis 36 000 fois avant de vous le présenter, mais c'est pas grave. C'est un short noir, parce que franchement, en noir, j'en avais pas, tu vois. En fait, il est hyper, enfin, il est hyper, ouais, il est taille haute, quoi. Donc franchement, j'adore. Alors ça, me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, il y en a plein qui me jugent. Mais moi j'aime trop, genre vraiment je trouve ça iconique. C'est une chemise genre, c'est quoi, c'est Adam et Ève, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Ni d'Adam, ni d'Adam. Oh je sais plus. Mais je crois que ça n'a aucun rapport. Bref, Léna qui m'appelle. Allô? Allô Bibi? Oui. Du coup, il s'agit d'une chemise bleue. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Bref, je vous la montrerai portée, moi je la trouve trop cute. Oupsie. Ah oui, donc ça, c'est un achat erreur que j'ai fait. Enfin, c'est pas une erreur, mais il y a eu confusion. En gros, c'était une chemise blanche. Enfin, une chemise, t'as capté. Et en fait, moi, je la voulais assez grande, c'est pour que, que ça fasse un peu oversize, t'as capté. Dans les commentaires, il dit, ouais, prenez la taille au-dessus, faites-moi confiance, nanana. Ouais, bien sûr, ouais. Je me retrouve avec un pyjama, une chemise de nuit qui fait 4 fois ma taille. C'est moi, on dirait le truc d'Annabelle dans les... ça me fume. Je l'ai pris en L, parce que de base, je fais du M. Enfin, je peux faire du S, du M. En fait, ça dépend, en fait. Et là, j'ai pris du M, du...
Ah, je m'embrouille. En vrai, je pense que si tu mets ça dans un jean taille haute, ça peut le faire. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un petit... il est à l'envers, c'est génial. Un petit débardeur blanc. Ça, je l'ai pris en M. Ça fait tout petit, mais j'aime trop. C'est trop mignon. Ok, ça, j'adore, vraiment. Il est un peu grand, mais je pense que ça va le faire. Si je fais des ourlets et tout, t'inquiète, je gère. C'est un jean avec deux bleus différents. J'aime trop, je l'ai essayé, il me va. Je suis fan et je vous montrerai essayer. Oh, je dis toujours la même chose, je suis désolée, mais je suis un moulin à parole. J'ai voulu prendre une robe et je me suis dit ouais sur la fille ça fait trop frais, moi peut-être que ça va faire frais et tout. Je sais pas quoi en penser non plus. Une robe beige comme ça, elle est genre super super souple hein. Moi je la trouve grave cute mais je sais pas du tout si ça me va. Après j'ai pris deux petits hauts, vous savez les petits hauts en mode brassière mais en mode haut. Bref, je trouve ça trop beau. Qui est là, enfin je comprends pas trop pourquoi. Bon elle s'est carrément barrée en fait. Vas-y fais comme chez toi, en fait c'est ça qui est à l'intérieur tu vois. Donc le voici en noir, mais comme vous voyez on voit les traces là. Je suis blanche, ça me plaît pas du tout. J'ai fait du bronzage hier donc s'il te plaît ne mets pas blanche. Donc ensuite j'ai pris deux maillots de bain, j'ai voulu tester un truc. Je savais pas du tout si ça allait m'aller tu vois, je me suis dit ouais en fait je pensais plus que ça allait le faire pour les photos tu vois. C'est les maillots de bain une pièce en blanc comme ça là. Après tu l'attaches derrière et tout, bon là fait un peu 3 mètres. Tu vois il y en a là dedans, elles sont pliées. Je pense que je vais les enlever carrément parce que c'est bizarre. Mais sinon le maillot de bain je l'ai essayé et franchement il est frais. Franchement je l'ai essayé, il est grave beau, mais je pense que je le mettrai pas pour aller dans le jacuzzi parce qu'avec les bulles et tout, ça bouge et tout. C'est pas pratique, hein. Je pense que je le mettrai juste pour les photos Instagram et puis après, il restera dans mon armoire, quoi. Et j'ai pris un deuxième maillot de bain, donc là franchement je le trouvais grave frais. La culotte qui est bah, rose, couleur rose, j'adore. En fait c'est juste le haut qui me pose problème, on dirait il est pas fini. Il est beau mais c'est juste qu'en fait je sais pas, je comprends pas, il y a le blanc qui dépasse du rose, enfin ça me perturbe. Et puis il est un peu trop grand pour moi, donc voilà, c'est pas grave. Vous jugerez par vous-même. Et voilà, oups, pardon, désolé, excuse-moi. Cette vidéo est terminée, j'espère donc qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci pour les 100K, j'ai envie de chialer. Je vais faire que de vous le dire à chaque vidéo. A bientôt.